Et yo tout le monde, bah c'est Josco, aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo les gars. Alors on est sur la map de Cocteau les gars, voilà. Elle est très... Bah déjà ça commence bien parce qu'elle est très très belle. J'ai pas encore testé mais franchement ça annonce du lourd quand j'ai vu sa petite vidéo et tout. J'ai pas voulu regarder sur son... sa vidéo, j'ai juste mis le petit pouce bleu comme d'hab avant de... moi j'avais envie de voir moi-même ce qu'il a fait et tout. Donc voilà, je vous montre, il y a des petits trucs marqués ici. Donc voilà son petit code créateur les gars, Cocteau dans la boutique, ça ferait super plaisir pour lui. Parce qu'il a prévu de vous faire gagner quelque chose pour celui qui fait le meilleur temps. Donc là c'est les règles de la map sur sa chaîne les gars si vous voulez aller voir. Hop. Et là c'est quand vous avez fait votre temps, que c'est un bon temps et tout, vous partagez la vidéo bah, sur votre chaîne YouTube et avec le hashtag CocteauCop. Ok les potes. Donc voilà. Donc là il y a la map à l'envers ou à l'endroit. Nous on va commencer pour à l'endroit déjà. C'est pas, on va vraiment pas faire de temps, on va pas activer le chrono et tout. On va juste tester, commencer. Franchement ça a l'air vraiment cool. Pour les bons genre en édit et tout, c'est vraiment... Même pour ceux qui sont pas très forts, c'est une map qui peut vous aider à vous améliorer en édit et tout. Franchement je trouve qu'il a fait du bon boulot. Ok, là c'est des petits 90 les gars. Franchement là on part pas sur un bon temps, on s'applique pas. Ok, ça met pas mon truc. Ok, ça met pas mon... Ça veut pas me mettre mon sol alors que j'appuie. Ah mon sol, mon escalier. Donc voilà, l'entrée elle est là. Alors les gars, là c'est très très rapide. De toute façon il y a ces infos sur la chaîne. Donc tu fais ça. Là t'édites comme tu veux. Mais les murs comme ceux-là, là tu dois éditer de la tête aux pieds. Comme ça. Hop. Là c'est comme tu veux. Là c'est comme ça. Comme tu veux. Là c'est comme tu veux, hop. Là, je sais pas c'est comment, j'ai pas très bien vu. Je crois que j'ai inversé, mais c'est pas grave. Donc là c'est des double edits. Normalement, ouais. Ça ça va, je gère un petit peu plus que les autres. Il y a un truc par contre que t'as fait là, que t'as fait quand... Ça c'est le truc que je vais pas faire parce que j'arrive vraiment pas, j'ai pas envie de m'humilier si tu vois cette vidéo en disant ouais mais il veut faire une FAQ mais il sait même pas faire ça et tout, donc j'ai pas trop envie de le faire. Ok, j'ai bu de l'alcool comme dirait le DJ. Ok, j'ai vraiment bu de l'alcool. Ça c'est vraiment nice, ça je kiffe les trucs comme ça. Que ça c'est le truc que j'aime pas du tout. Mais c'est ça en tout cas les gars, c'est des trucs comme ça là. Ça j'aime vraiment pas mais... Ça c'est le truc que je déteste le plus. Mais franchement c'est... Pour ceux qui aiment tous les trucs d'édit et qui savent le faire, c'est vraiment... C'est vraiment grave utile et en même temps ça entraîne. Moi perso c'est le truc que j'aime pas beaucoup on va dire sur Fortnite. Mais franchement qu'il le fasse et tout c'est nice. Ok bah déjà faut que j'arrive à sauter. Ok c'est fini enfin. Donc hop. Je sais pas par contre pourquoi il a mis autant de pompes. Mais c'est pas grave. Là c'est comme ça. On repart ici. Regardez, il n'y a pas d'autre entrée. De toute façon, vous savez que c'est ici. Là, hop. Attends, ouais, c'est ça. Là, c'est des îles comme ça.
Franchement, pour moi, ça va faire partie d'une des meilleures maps edits parce que franchement, elle est super, super, vraiment cool. C'est pas parce que je l'aime bien, Coq, mais elle est super, vraiment bien. Alors là, les gars, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le truc que j'aime le plus sur sa map. L'un des trucs que j'aime le plus, c'est comment éviter les traps quand ça vous entraîne de ouf parce qu'il y en a, je sais, ils prennent des traps. Et tout, ils disent, mais non, j'ai bien édité mon sol. Là, faut vraiment bien le faire. Si vous ne le faites pas, regardez. Attendez. Si vous mettez que celui-là, vous prenez quand même. Vous avez vu? Donc, faut vraiment mettre les deux. Il faut pas. Non, il y a de l'autre côté. Oh, je vais mourir. Oh, Google! Oh, mon Dieu! Oh, mais non, je recommence. Ah, ok, c'est bon. Bon, j'espère que tu prendras pas ça en compte, Coq. Hop, hop. Donc là, je sais pas. Moi, je suis perso. Je sais pas comment faire là. Merde. De toute façon, vous allez voir sur sa vidéo, il y a tout qui est expliqué. Ok, là, les gars, bien sûr, ici, il faut faire la fenêtre. Tu te baisses, tu fais une fenêtre où tu veux, où tu t'en le plus à l'aise. En gros, c'est des stands de tir. Je sais pas s'il faut casser les caisses, mais moi j'aime bien. Ça m'entraîne aussi un petit peu. C'est vraiment, vraiment, vraiment une putain de. Moi je kiffe sa map. Perso, je trouve que. Donc voilà, ça c'était sa map à l'endroit. Et vous, on peut le faire aussi à l'envers, mais. À l'envers, je trouve, quand j'ai vu sur sa vidéo, c'est vraiment trop dur. Mais je suis pas quelqu'un de edit, mais franchement, pour une map edit, moi je kiffe. Franchement, moi je pense que ça va être l'une des maps edit des mieux faites. Je dirais pas que les autres maps ils sont nuls, mais. Franchement, il a géré de ouf et sa map elle est trop belle. Là, comme vous pouvez voir, c'est ses abos qui ont marqué. Michou galéra tellement qu'il pensera que c'est un Death Run. Oh, elle est ouf. Donc voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si Cocteau t'as bien aimé la vidéo, bah ça me le faire parvenir, ça ferait super plaisir. Donc, les gars, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne pour que il vous explique ce qu'il doit faire et tout. Et là, son petit code créateur des familles, les gars. Donc allez, c'était Just Cause, je vous dis à la prochaine, allez, peace.